Kate Middleton et le prince William sont ce mercredi 16 octobre dans la région du Chitral au nord-ouest du Pakistan. Ils ont rencontré le peuple des Kalash. Le couple est sur les traces de Diana, et la duchesse de Cambridge a porté le même chapeau que sa belle-mère durant sa visite, au début des années 1991. Kate Middleton et le prince William poursuivent leur voyage au Pakistan, un séjour décidément très culturel. Le couple a adopté les us et coutumes du pays et le prouve à nouveau ce mercredi 16 octobre, en visite à un peuple du nord-ouest du Pakistan, les Kalash, dans la région du Chitral. D'après le Daily Mail, la duchesse de Cambridge a porté un chapeau chitrali, le même qu'a revêtu sa belle-mère Diana lorsqu'elle s'était rendue sur ses terres dans les années 1990. Un double hommage, donc, pour Kate Middleton, aux cultures des différents peuples du Pakistan ainsi qu'à la princesse des cœurs. L'esprit de cette dernière régnait en ces lieux. Kate et William ont ainsi fait la connaissance d'une jeune femme nommée Diana, en hommage à la maman du prince. À l'époque de sa visite, la grand-mère de la jeune fille a fait le voyage pour venir la rencontrer, sa mère ne pouvant pas se déplacer en raison de sa grossesse. Et son fils s'appelle maintenant William, a ajouté la traductrice auprès du couple. Qui sait ? Peut-être que dans quelques années, les enfants de Kate et William rencontreront chez les Kalash une jeune femme prénommée Kate. Step up.